Puffy's, on est une entreprise spécialisée dans le skyr, qui est un yaourt sans matière grasse et très protéiné, qui est d'origine islandaise, mais que nous fabriquons en France avec des matières premières françaises et en étant le plus responsable possible. La manière dont on l'a formulé, c'est d'accompagner les Français dans la transition alimentaire en développant les produits laitiers de demain, qui sont sains, gourmands et responsables, parce que les produits laitiers sont l'une des filières qui est le plus touchée par les dérives, où on va dire il y a un axe d'amélioration qui est assez important, et c'est pour ça qu'on travaille sur ce produit-là, qui est le skyr, qui utilise une matière première qui est délaissée par l'industrie agroalimentaire et qui nous permet donc de travailler de manière beaucoup plus respectueuse. Alors en fait, on a fait ça en deux temps. Dans un premier temps, on a eu la volonté de pouvoir formuler cette raison d'être, parce que Puffy, c'était un projet d'étude qui s'est transformé en projet d'entreprise où la raison d'être n'était pas forcément tombée de sens, donc on avait vraiment envie de formuler ces mots. Et par la suite, on s'est fait accompagner pour Priora pour passer à la deuxième étape et pour vraiment la faire passer au niveau de nos salariés et pouvoir que cette raison d'être qui était portée par des fondateurs qui soit vraiment portée par toute l'entreprise. Et c'était vraiment le but de Priora. Ils étaient très volontaires, notamment pour organiser un séminaire avec toute l'équipe. C'était vraiment ça qui était important pour eux au niveau de la raison d'être, de vraiment la diffuser, de la présenter à l'équipe et de la travailler avec l'équipe. Donc c'est sur ça qu'on a travaillé aussi. C'était pas animé par nous, mais on leur a donné les clés. On a fait cet été du coup une levée de fonds, et donc là où elle nous a été quand même beaucoup plus importante, justement pour expliquer simplement là où on voulait aller le plus simplement possible. Donc là, ça nous a permis aussi d'avoir ce fil conducteur, ça nous a aussi permis de nous rassurer au niveau de nos collaborateurs et au niveau de nos équipes, pour se dire qu'on était bien tous là dans le même bateau, de pouvoir nous donner aussi une ligne de conduite et de pouvoir se dire ça on ne va pas aller, ou ça on peut aller. Donc ça nous permet aussi de cadrer les décisions stratégiques de Puffy's. Vraiment, ce qu'on a constaté d'important, alors c'est bien sûr que la raison d'être, elle représente une boussole pour une entreprise au niveau stratégique, mais elle peut surtout l'amener à des renoncements. Cette notion-là de renoncement, elle est vraiment importante. En fait, ça peut être sur le chiffre d'affaires, sur la question de la rentabilité, pour permettre à l'entreprise d'être en accord avec ses valeurs, sa vision, son ambition. Ces renoncements, ils peuvent être par exemple sur le chiffre d'affaires, hein, de refuser certains clients, ou même sur des questions de rentabilité pour permettre à l'entreprise d'être en accord avec ses valeurs, sa vision, son ambition. Nous, on est une jeune entreprise qui ont créé directement pendant nos études. Donc en fait, on n'a pas forcément d'idées ou de conception toute faite d'autres entreprises. Donc là, ça nous a permis de poser un cadre, de pouvoir voir certains exemples. Ça nous a aussi permis de rencontrer d'autres entreprises qui avaient cette même volonté, qui n'avaient pas forcément la même structure, donc de aussi pouvoir travailler ensemble cette notion. Ça nous a aussi, le plus important je pense, apporté un cadre et donné le temps aussi à différents moments de pouvoir maturer cette réflexion et de pouvoir avancer dans le bon sens et pas de s'éparpiller dans tous les sens.